Pour la quatrième fois, la France accueille les 23e championnats du monde de pêche de la carpe. Dans le but d'offrir à l'ensemble des compétiteurs un site à la hauteur de l'événement, c'est le lac de Pansières sur la commune de Chaumard dans la Nièvre qui a été retenu. Le lac de Pansières, c'est un plan d'eau qui se trouve dans le parc régional du Morvan, donc en Bourgogne. C'est un lac de 600 hectares, là on est plutôt sur 450 puisqu'il est un petit peu descendu. Donc c'est un lac qui sert à alimenter la Seine en eau pour éviter que Paris soit au sec. Ce splendide lac de barrage a permis d'attribuer aux pêcheurs des postes magnifiques, offrant un maximum de chance et d'équité à tous. Avec son cheptel exceptionnel en carpe, le lac de Pansières détient le record du monde de prises capturées lors d'une compétition officielle de pêche de la carpe. C'était en 2018, lors des manches finales du championnat de France senior, où plus de 26 tonnes de carpe ont été capturées par 48 binômes sur deux manches de 72 heures. Alors nous, on était partis sur 27-28 nations et puis on a eu la surprise, un petit peu à la dernière minute, donc de savoir qu'on allait avoir 32 nations puisque tout le monde s'est passé le mot, je pense. On n'a jamais atteint ce chiffre-là, donc maximum, je crois que c'était 28 nations. Pour l'organisation d'un tel événement, le plus gros championnat du monde de pêche de la carpe jamais organisé, ce sont plus d'une centaine de bénévoles venus des quatre coins de la France qui ont œuvré aux préparatifs qu'impose une telle manifestation. Ce championnat du monde aura mobilisé nuit et jour, commissaires de pesée et personnel de sécurité afin de veiller au bon déroulement de la compétition. Qui c'est qui lance le banc ? Une telle équipe de bénévoles nécessite une intendance hors d'ordre. Angèle, Dominique, Marie, Isa, Sylvie, Sandra, Corinna, Christian et Marcel ont relevé le défi de préparer et servir plus de 1500 repas durant cette semaine de compétition. Qui dit compétition internationale dit aussi multitude de langues parlées. L'organisation a pu compter sur une des membres de l'équipe de France féminine, Kyriane, parfaitement bilingue et traductrice officielle de ces mondiaux. Alors la première chose que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de fair play. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde prenne du poisson, que tout le monde s'éclate. Je ne vais pas dire que je suis neutre, parce que c'est impossible d'être neutre quand on est président de la commission Carpe FFPS. Mais voilà, ce que je souhaiterais aussi, c'est que la France l'emporte, soit championne du monde. Tout ce dont pourrait rêver un président de fédération, on va dire, que tout se passe bien et que les gens se respectent et qu'il y ait une super bien ambiance. Un championnat du monde, ça doit rester une fête avant tout et j'espère que ça le sera. Outre l'aspect sportif de cette compétition, cet événement se voulait aussi un rendez-vous halieutique, avec notamment l'implantation pour deux semaines d'un village pêche où détaillants d'articles de pêche, fédérations locales et producteurs de produits régionaux avaient installé leurs stands.
Pour l'équipe de France, accueillir sur place un tel événement, c'est l'occasion de montrer au reste du monde l'étendue de ses qualités. Sans être encore lancé, ces championnats du monde ont déjà commencé dans leur tête. Et rien n'est laissé au hasard pour ces pêcheurs d'exception. Tu les fais bien monter en l'air pour que ça fasse un bon bruit quand tu peux pêcher à 70-80 mètres. Tu vas le savoir, ces poissons. Ils sont, tu laisses 2x, ça va le savoir. Le staff et les pêcheurs, avec l'appui de leurs partenaires, ont testé, testé et encore testé plusieurs techniques et stratégies de pêche pour ne retenir enfin que celles offrant le plus de touches. Après, voilà, c'est un stress positif, j'ai envie de dire. On s'est super bien entraîné toute l'année, je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. On peut toujours faire mieux, mais là, à l'instant T, je saurais pas trop te dire. Oui, bah effectivement, là, c'est l'aboutissement d'un an de travail, hein, bientôt. On a fait un gros boulot avec l'équipe. On est vraiment prêts, on est dedans. On a fait beaucoup d'entraînement aussi avec l'équipe féminine. Donc c'était une très très belle saison d'entraînement. Maintenant, ben voilà, tout est fait, tout est prêt. Ouais. Il n'y a plus qu'à. On a fait donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, le défilé exceptionnel avec des supporters. Ça fait plaisir. Une grande masse de gens derrière nous. Ouais. Et j'en profite pour les remercier d'ailleurs, ouais. Parce que ça fait vraiment plaisir. Comme vient de le dire Nicolas, un grand défilé a eu lieu dans les rues de Château-Chinon, ville voisine de Chaumont. À ce moment-là, c'est une ambiance festive et conviviale qui prédomine encore pour quelques temps sur la pêche. Je sais qu'en confiant le championnat du monde CAP à notre ami Fernand et toute son équipe, et je sais que ce sera forcément une réussite. C'est déjà une réussite au niveau de la préparation. J'accueille la France. Merci la France, merci à vous et bonne chance. En tant que représentant de la Confédération internationale de pêche sportive, je déclare officiellement ouvert le 23 championnat du monde CAP ici en France et que le meilleur gagne, que le meilleur gagne. Au nom de tous les compétiteurs, je promets que nous prendrons part à ces championnats du monde en respectant l'ensemble des règles qui les régissent.
dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport, l'honneur de nos équipes et de nos nations. Alors bien sûr, demain, 8h, rendez-vous, hein, on a le tirage de cette grille, fameuse grille, c'est celle qui va tout définir. Hein. T'es sûr que c'est toi qui tires? Pas si mal en premier. C'est quoi le 29. Number 29, France. C'est quoi 29. Ils prennent B1. Chier, ouais, ils ont le B1. Ils ont B1. Ouais, ils ont une belle grille, les Ukrainiens. On va voir, ça se meilleur que. En 29. Mais non, c'est... Tu peux pas les changer, tu vois. C'est ça que je te tire pas souvent des ailes, gros. C'est l'année. C'est 17. Là, il a repas reposé, par contre. Merci, il a repas reposé. Merci. Il y a toujours mieux, mais je pense qu'on a... C'est ce qu'on voulait, on a une moyenne. Je pense que c'était la moyenne. Il y a plus. Là, on est à un. Il y a plus. Allez. Allez, allez, on y va. Ouais. Allez. Ouais. Le B7. Chicho Bello. Non, on n'a pas le B7, on a le B9. Le A4, la Moldavie, c'est pas trop mal. Pour ces 23e championnats du monde, le coup d'envoi de la pêche est prévu pour 12h30. Une fois arrivé sur les postes, il reste aux pêcheurs et au staff un peu moins de 3 heures pour décharger et installer le matériel. Les berges abruptes et instables du lac demande une réflexion particulière quant à la mise en place du campement. Bah, il reste moins d'une demi-heure, on est dedans. Donc là, à midi, on n'a plus le droit d'aider. Là, tu vois, on est sorti, on n'a plus le droit de toucher à rien. Là, on avait le droit, c'était exceptionnel, jusqu'à midi pour les aider à terrasser. On a aménagé le poste pour qu'il soit le plus praticable possible, vu la pente. Donc là, on a vraiment fait des paliers. On a bien tassé pour qu'il soit à l'aise. Voilà, on y est ce coup-là, on n'a jamais été aussi près. Dès les premières minutes de pêche, et comme à l'accoutumée sur Pansière, les touches ne tardent pas à arriver. Avec l'attribution lors du tirage au sort de 3 postes convenables, la stratégie agressive, peaufinée durant des mois et mise en place d'entrée de jeu par les pêcheurs de l'équipe de France, commence à payer. Moi je voudrais tirer une grille moyenne, j'en ai une. Elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas mauvaise, c'est une pas vilaine grille. C'est ce qu'on voulait. Kevin et Julien obtiennent le poste B9, sur un secteur qu'ils connaissent bien, puisqu'ils l'ont pêché régulièrement lors des derniers entraînements. Après, on s'est dépendu de nos voisins. Ici, c'est pas mauvais, mais là-bas, c'est encore meilleur. C'est plus pêché, c'est secteur de nuit. Et donc, les poissons, ils répondent assez rapidement sur les secteurs de beaucoup pêché, secteur de nuit. Et mais après, au bout de 24 heures, ça va se mélanger sans problème. Si Kevin et Julien bénéficient de bases solides sur cette partie du lac, les postes des deux autres binômes renferment encore une part d'inconnu. Le C17, c'est un beau poste. On pense que c'est un beau poste, on l'a malheureusement jamais pêché. Mais bon, il a une belle configuration, c'est une aile. Par contre, il est extrêmement physique, un peu dangereux. Et dans les pierres, c'est le poste que personne voulait. Donc voilà, les gars, ils sont bien briefés, ils ont tout pour bien faire. Mais voilà, ça, j'espère, des bonnes surprises. Ça va être un secteur assez compliqué à gagner, parce qu'il y a du lourd dessus, dont un très bon pêcheur, qui était champion du monde. Donc voilà, ça va pas être si simple. Alors, Fred et Nico, ça me semble être un joli poste. C'est une aile encore une fois, magnifique. Jamais tiré autant d'ailes. Les profondeurs sont là, il n'y a pas d'obstacles, très peu, quelques obstacles sur la droite. Sur la gauche, il y a une île qui remonte. Mais ça me semble être un joli poste. Je pense qu'on devrait tirer notre épingle du jeu sur ce secteur aussi.
Bon, on va pas faire durer le suspense. Hein. On est deuxième là actuellement par équipe. Le classement veut rien dire. Au bout de 12 heures de pêche, satisfait plutôt de mes équipes parce que bon, on est bien dans la pêche. Les choses sont bien. 2-3 petits réglages à peaufiner par-ci par-là. Et puis, je pense que le plus gros, ce sera de faire le point demain matin. Voilà. Demain matin, ça va être là. Déjà, il y aura déjà, des grandes lignes de tracé quand même. Ouais. Voilà. Bon bah écoute, c'est plutôt satisfaisant au classement de ce matin parce que là on est premier sur le secteur A, premier sur le secteur B. Malheureusement on est 11e ici sur le secteur C. Donc là depuis la levée du jour on a modifié beaucoup de choses. On a beaucoup raccourci parce qu'on s'est rendu compte qu'on a dû faire une erreur de sondage lors du sondage des postes. On avait vu qu'il y avait beaucoup de cailloux mais en fait il s'avère que c'est plutôt des arbres. Donc on a sûrement pêché un peu loin hier, c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de poissons. Là, on a fait une grosse erreur. On a rectifié le tir. Et là, ça a l'air de porter ses fruits parce que là, ça fait deux poissons en très peu de temps. Donc, croise les doigts. La nuit, pareil, a été très correcte. Après, on est plus inquiété par le B1, donc l'aile là-bas où il y a l'Ukraine. Et donc, ils ont tourné fort, très fort, toute la matinée, même l'après-midi, le vent a tourné. On est venu voir les Ukrainiens, parce qu'ils ont fait des belles pesées depuis à midi. Ils ont dû faire une pesée de 18 poissons. Ils ont refait une pesée dans l'après-midi à 17 poissons. Et là, ils viennent d'en refaire deux. Donc, 35, 37 poissons, comme ils sont sur le même secteur que Kevin et Julien. C'est un petit peu inquiétant, donc on vient surveiller tout ça. On dirait que les poissons sont un petit peu décalés, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, voilà, ils continuent à maintenir l'écart régulièrement. Et puis on verra bien, on va laisser comme ça pour l'instant. C'est pas simple hein, quand même, faut... Les conditions assez difficiles niveau météo, on s'est pris des bonnes averses aujourd'hui. Ça vient juste de s'arrêter de pleuvoir, ça a commencé vers midi, donc tout l'après-midi sous des bonnes trompes d'eau. C'est assez complexe et les poissons, aujourd'hui ça répond vraiment pas comme hier. C'est beaucoup plus difficile, les touches sont beaucoup plus espacées, on a du mal à faire rentrer le poisson. Il faut dire que ce matin on a eu un très gros vent qui a poussé le poisson très clairement sur l'autre partie du secteur où les postes qui déroulaient pas trop la première partie de journée hier puis cette nuit sont mis à mancher les poissons dans la matinée. Et nous on faisait quasiment pas une touche et quand le vent est tombé, là les poissons commençaient à revenir un peu plus. On a essayé pas mal de choses pour qu'au final on revienne toujours sur notre stratégie de base finalement. On garde toujours une partie des cannes en base par rapport à la stratégie qu'on avait dit qu'on mettra en place. Puis une tête chercheuse un petit peu. Puis finalement, ça on a essayé mais ça n'a pas été plus concluant que ça. Donc je pense qu'il faut vraiment, entre guillemets, malheureusement on n'a pas de cire, mais prendre un peu son mal en patience, accepter qu'on ait des trous. Et par contre, vraiment penser pêcher pour un poisson à chaque fois et assurer à chaque fois. Si cette deuxième journée de compétition a été généreuse en vent et en pluie, elle l'a moins été en termes de résultats pour Fred et Nico, plus proche du barrage au A29. Leur pesée du matin avec plus d'une dizaine de poissons les a placés en tête du secteur.
mais le restant de la journée a été plus difficile. Ils réussissent néanmoins en fin d'après-midi à retrouver un rythme leur permettant de garder cette première place du secteur. La journée, ça a l'air de mieux se passer dans les fonds de baie là-bas, côté A25, A26, A27, A28. C'est plus compliqué sur la pléno. Enfin, en fait, ils ont moins d'eau que le reste du secteur. Ce qui va peut-être pouvoir les avantager sur la partie nuit. Par contre, c'est un gros handicap la journée. Ouais, la nuit est effectivement très compliquée sur le secteur C, du moins sur notre sous-secteur, où il s'est pris seulement un poisson chez les Espagnols pendant la nuit. Ce que Nicolas a fait modifier donc, à partir d'hier porte ses fruits. Aujourd'hui, dès le début de l'amorçage, donc vers 8h, on a réussi à faire des touches plus rapprochées et plus rapidement, ce qui nous a permis, au moment où je vous parle, d'avoir 5 poissons au sac. Alors que sur les autres postes, il s'en prend une par-ci, une par-là, donc c'est plutôt positif. Et on espère juste que ça va continuer tout au long de la journée. Secteur C, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien, c'est bon, on est dedans là, donc c'est cool. Poste A, donc ça s'est un petit peu calmé par rapport aux voisins, ce que tu viens de me dire. C'est plus calme. Un début de matinée plutôt moyenne, alors qu'on a un poste, la Lituanie et sur l'autre partie du secteur et l'Allemagne, qui ont les postes qui sont complètement à l'opposé, et là qui se sont réveillés. Et qu'on commençait à faire du poisson. Déjà cette nuit, ils en ont fait. Et là, ils ont continué d'en faire. Eux, ils sont un petit peu calmés. Et nous, on a repris dessus. Donc, il y a un moment, on a eu sérieusement peur. Et là, je crois qu'on a encore 35 kilos quand même d'avance. C'est pas grand-chose, mais on reste quand même correct. Et ils savent faire. Et voilà, je doute pas que cette nuit va être une grosse nuit pour eux. Au terme d'une rude journée et sous l'œil de dizaines de spectateurs, Kevin et Julien rajoutent une trentaine de poissons au classement. Ouais, c'était une grosse journée pour eux, éprouvante. On pensait être vraiment à l'abri, d'être tranquille. Et en fait, on a un poste sur le secteur, le poste de l'Ukraine, le B1, qu'on fait
un score de fou cet après-midi, comme quoi tout peut arriver très vite. Et en fait, ben là, ce soir, je crois qu'on est entre 15 et 16 kilos d'avance sur eux, donc ce qui est rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc là, ils font un poisson. Heureusement, derrière nous, c'est le premier. On vient d'en louper à l'instant. Voilà quoi. Donc, celui-là, faut vraiment qu'on le prenne et faut qu'on en prenne des autres. On tienne, il y a encore 4 heures à pêcher à peine, ça va être tendu jusqu'au bout. Donc comme beaucoup d'équipes, zéro bip, zéro touche, rien, le néon total. Mis à part une équipe qui nous arrange pas du tout, l'équipe ukrainienne, qui ont fait 4 poissons, plus un autre avant leur début de soirée. Donc ça les a fait faire un grand pas en avant. Donc ça c'est pas bon du tout pour nous. Je pense que les taux se resserrent sérieusement. Je suis assez impatient. J'ai un peu peur de l'évolution. Bon, normalement, on est encore bon, mais là, ça tient plus à grand-chose. Malgré tous leurs efforts, durant bientôt 72 heures, et après avoir mené, dès la deuxième nuit de pêche, le classement général des nations, la France est à quelques heures de la fin, talonnée de très près par l'Ukraine, qui, en l'espace d'une nuit, a gagné 8 places sur le secteur C. Fred et Nico ont réalisé une nuit tout aussi bonne que les précédentes. Au petit matin, les poissons semblent avoir, comme la veille, remonté sur les postes en haut du lac, favorisant la Lituanie qui n'est plus qu'à quelques kilos de prendre la tête du secteur. Et puis sur le secteur B, Kevin et Julien ont repris de l'avance. Et puis commence à avoir de la grosse fatigue sur ce poste qui est quand même difficile. Hein. Et donc on a pris la décision de faire pêcher à fond Julien toute la nuit. Et il est sorti là ce matin à 7h pour être remplacé par Sylvain, mettre un peu de sang neuf. Là ça pique là. Ah, ça pique. Et oui, pour leur deuxième championnat du monde, juste après une médaille de bronze en individuel l'année passée, Kevin et Julien sont de nouveau sur le podium. Et cette fois-ci, sur la plus haute marche. Local.
Lors de la dernière matinée, la France chute d'une place au classement général des nations. Sur le secteur C, seuls 11 petits kilos auront manqué à David et Greg pour gagner une place et ainsi reprendre ce point si précieux, permettant à la France de décrocher enfin ce titre qu'elle convoite depuis tant d'années. D'autant plus que sur le secteur A, c'est une vingtaine de kilos qui coûte à Fred et Nico la première place de leur secteur. Par la même occasion, la médaille de bronze en individuel, mais aussi ce fameux point au classement des nations. World champion nation is Ukraine.